Ça m'a fait du bien d'arriver à Wedzem. Ce village est un remède à ma dérive. Je me sens mieux. Je recommence à lire les journaux, à collectionner des objets, à m'intéresser aux gens. Chaque année, au mois d'août, par milliers, les gens laissent leur maison pendant une semaine pour se rendre au sanctuaire et participer à la liturgie. Après plus de 7 heures de marche, j'arrive sur le lieu de la fête. Une colline assiégée par la chaleur et la poussière. Parmi les tentes des pèlerins, je reconnais celle des habitants du quartier. Tonton fait l'objet de leurs attentions. Il l'habille pour la course à cheval, où c'est lui qui va représenter le quartier. La participation de l'État est fondamentale. Elle camoufle, ne serait-ce que pour une semaine, l'écart entre les gouvernants et les gouvernés, entre le luxe et la misère. Je décidais de m'éloigner de cette vie malsaine. Je descends du train, je me rends compte de l'importance de mon rêve et je décide que cette histoire s'intitulera « Réveil ».